pour assister à la fin du monde. Après 500 ans passés à l'état de cristal, le tout-puissant Bunivels me parla. Il me promit de me rendre ma petite sœur, Sera, si j'acceptais de récolter des âmes pour le nouveau monde. Je devins alors la libératrice. Mais où suis-je? Hé, hey, libératrice, comment ça va? Encore toi? Nice, tu m'entends? Tout va bien? Où es-tu? Tu as des problèmes techniques? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à te localiser. Oh, tu es là? Non. Ils ne peuvent ni t'entendre ni te voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est en toi. Flippant, hein? Tu veux dire dans mon esprit? Yep. C'est un refuge que Dieu ne peut pas voir. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, un rayon invisible. Si tu le dis, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai un nom, tu sais, Fulmina. J'en sais beaucoup sur toi. Et ici, on peut discuter à l'abri des regards indiscrets. Regards indiscrets? De qui parles-tu? Je n'ai rien à cacher. Ah, c'est vrai. Tu es la fidèle servante de Dieu, hein? Mais ne t'inquiète pas, je ne lui révélerai pas tes sombres secrets. Je n'ai aucune raison de le trahir. Mais oui. Très convaincant. Cache bien tes émotions et joue la gentille petite servante. Je te l'ai dit, je n'ai rien à cacher. Il m'a promis de me remuer ça. Réfléchis un peu. On est dans ton esprit. Si tu ne peux pas être toi-même ici, où pourrais-tu l'être? Tu n'as pas changé. Tu en es incapable. Qui es-tu au juste? De simples particules de poussière tombées de la main de Dieu. C'est tout ce que nous sommes. La vraie grande sœur. C'était Sera. Enfin, j'ai récupéré la connexion. Light, que s'est-il passé? J'ai discuté avec Lumina. Tu es sûre que tu l'as pas rêvé? Peut-être. Ok. Téléportation terminée. Je sais. Si seulement elle savait ce que Dieu lui réserve.